بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran commence par la lettre Ba. Et observez avec moi ces incroyables relations numériques qu'il nous renvoie vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans le Coran, nous avons 63 versets qui commencent par la lettre Ba, dont le premier est la basmala qui se trouve dans Surat Al-Fatiha. Et 63 n'est autre que le nombre d'années qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on va voir le verset qui a le numéro 63, c'est-à-dire le dernier verset qui commence par la lettre Ba. Ce verset se trouve dans Surat Az-Zalzala, qui a le numéro 99, et dans le verset 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bi anna rabbaka awhalaha. Si on compte maintenant les versets à partir de la fin du corps, nous allons constater que le verset 5 de Surat Az-Zalzala est le 94e verset. Et 94 est égal à 47 fois 2. 47 est le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et 2 n'est autre que le numéro du verset dans Surat Muhammad où le nom Muhammad est cité. Donc vous voyez bien le lien entre les deux. Maintenant, on va regarder de plus près. Surat Az-Zalzala, comme on a dit, a le numéro 99. Et le verset, qui est le dernier verset qui se termine, qui commence par la lettre Ba, est le verset numéro 5. Si on fait l'opération suivante, 99 moins 5 est égal à 94. On retrouve encore une deuxième fois le nombre 94, et qui est égal à 47 fois 2. Donc 47 est le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le 2, c'est le numéro du verset où se trouve le nom Muhammad dans Surat Muhammad. Et 63 est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers une seule lettre, qui est la lettre Ba, pour les versets qui commencent par la lettre Ba, nous avons des informations concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son âge. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.